sensibiliser les piétons qui ne traversent pas aux intersections dans le but de diminuer les accidents. Pour le metteur, ben justement, c'est la SAAQ, c'est-à-dire la Société de l'assurance automobile du Québec, qui, eux, ils ont pour but justement d'éviter de tout ce qui est les accidents de la route avec les piétons, les automobiles, les camions, tout ça. Pour le récepteur, ben, ça vise toute la population au Québec, n'importe où, mais plus particulièrement, justement, les piétons qui traversent n'importe où, aux intersections, qui ne regardent pas à gauche ni à droite, qui courent, mais aussi ceux qui font de la planche à boulettes ou c'est pas juste vraiment les piétons. Puis ça, les récepteurs, c'est aussi vraiment les travailleurs, toutes les personnes qui marchent pour que ce soit à les magasiner ou qui se promènent avec leurs amis, qui regardent juste ou pas. Le canal, ben, ça passe à la télévision, mais aussi par les réseaux sociaux comme Facebook. Puis les codes utilisés, ben, c'est la langue orale et écrite, comme on a pu voir à la fin sur le faux rayon X, le os contracier. Puis il y a aussi les codes de la route qui ne sont pas respectés dans ce cas-ci pour les intersections et les autres traverses. Ben, l'histoire. Ben, au début, ben, justement, le monde, il passe, il marche dans la rue, il se doute de rien. Puis là, il arrive devant justement le semblant de rayon X. Puis là, ils sont comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, ils gossent devant, ils dansent pour ça bien drôle. Puis après ça, ben, là, quand ils voient l'automobile arriver à toute vitesse, ça fait « boum ». Puis là, c'est plus drôle. Là, ils voient ça, ils sont choqués, ils sont surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, le rythme là-dedans, ben justement, ça commence, c'est lentement. Donc, il passe une belle journée, ça va super bien. C'est un rythme normal, régulier. Puis là, quand l'automobile les persécute, ben, ça arrive super vite. Fait qu'ils sont surpris. Puis, pour les personnages, comme que je disais tantôt, ben c'est des travailleurs, c'est du monde qui marche. Mais c'est aussi des gens qui ont été pris au hasard parce que justement, ils semblent surpris. Ce n'est pas des acteurs déjà choisis à l'avance. Pour leurs expressions faciales, au début, ils sont contents. Tout va bien. Puis après, justement, l'impact avec la voiture, ben là, ils sont choqués. Là, ils réfléchissent à ce qui vient de se passer. Pour le décor, ben, ça s'est fait filmer à Montréal, proche d'un arrêt d'autobus. Donc ensuite, pour les dimensions et les défis, premièrement, les dimensions des émetteurs. Comme on l'a mentionné plus tôt, c'est la SAAQ, pour une société qui a été créée par le gouvernement du Québec pour sensibiliser les gens à, dans ce cas-là, traverser et les intersections. Par la suite, pour les particularités des émetteurs, c'est des gens au hasard dans la rue de Montréal qui marchent, qui dans ce cas-là, arrêtent devant la machine à effluves pour s'amuser un peu avant d'être. Par l'automobile. Ensuite, ce qui est dans la difficulté dans la construction du message, premièrement, fait par le gouvernement, donc le message passe bien, les gens comprennent, ils sont plus sensibilisés. Puis le controverse, c'est que normalement, dans la ville de Montréal, les gens sont pressés le matin pour aller travailler, le soir pour rentrer à la maison, mais quand ils voient leur machine à essuyer, ils ont le temps de regarder, puis s'amuser, puis savoir à quoi ça sert. Ensuite, le risque privilégié, tout d'abord, il n'y a pas vraiment de. Les gens ne parlent pas beaucoup dans la vidéo. C'est plus des contractions des mots qui montrent leurs émotions, sont choqués ou quand ils s'amusent. Puis il y a le registre, ben ça c'est le family, excusez-moi. Puis après, il y a le registre standard pour les phrases. Sinon, les effets électroniques, vraiment le second, c'est la os contracier. Le fil ici, c'est la comparaison. L'os à l'acier, parce que l'os c'est ce qui tient le corps humain et l'acier pour celui de l'auto. Puis ensuite pour la pénalité, donc au début c'était un peu un défi comique. Les gens arrivaient devant marcher dessus, ils s'amusaient, dansaient très bien. Puis une fois heurtés par l'auto dans la simulation, ils sont plus choqués, donc ça a été plus tragique et pleuré. Les gens sont plus écoutés. Donc, pour le traitement visuel et sonore, les plans, il n'y a pas une grande variété de plans, il y en a seulement deux qu'on a pu retirer. Il y a le plan moyen qui démontre, on utilise le plan
différents moyens pour démontrer l'environnement dans lequel les gens, les individus se situent, et aussi pour démontrer les actions qui se posent au sein de l'environnement, comme par exemple dans la publicité qu'on a utilisée. Ben, en fait, l'environnement, c'est Montréal, c'est la grande ville, c'est un endroit qui est occupé. Puis les actions qui sont posées au sein de l'environnement, c'est dans le fond traverser la rue sans regarder, pas utiliser les intersections. Ensuite, on a le plan américain qui est utilisé beaucoup. C'est un plan qui recadre beaucoup les individus en tant que tel, puis qui va limiter l'espace utilisé. Ce plan-là, il est utilisé pour la visibilité des réactions et des interactions entre les individus. Ensuite, le langage il y a eu peu de dialogue dans notre publicité. Les seules phrases qu'on a pu décortiquer sont ben non, puis c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est un registre familier parce qu'on utilise des mots qui sont des onomatopées. C'est des mots, pour ceux qui ne savent pas, c'est des mots qu'on utilise dans des petites bulles pour faire parler des gens dans des caricatures ou autres bandes dessinées. Contrairement à d'autres publicités qui sont faites par la SAAQ, les autres publicités que la SAAQ font, c'est un peu fait avec des touches d'humour, on en rit puis on s'en rappelle, mais celle-là, contrairement à aux autres, est beaucoup plus sérieuse. Ils ont montré pas des images choquantes, mais ils ont saisi les personnes qui passaient devant l'arrêt d'autobus. C'est justement ça qui fait en sorte que les gens qui vivent une expérience comme celle-ci, en fait, eux, c'est comme si leur innocence, parce qu'on s'entend, les piétonniers qui traversent sans prendre des intersections, sans faire attention, sont innocents un peu, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Ben, cette innocence-là s'en va, puis c'est remplacé par un sentiment d'alerte pour que la prochaine fois qu'ils traverseront la rue, ils vont penser à garder des deux côtés ou en fait prendre les mesures pour diminuer les risques de danger. Ensuite, il n'y a pas beaucoup, comme j'ai dit, pour compenser au manque de dialogue. Il y a beaucoup d'effets sonores, comme au début de la publicité, il y a des klaxons, il y a des crissements de pneus, c'est juste pour démontrer comme quoi que dans la grande ville, il y a beaucoup de voitures, il faut faire attention, c'est imposant. Souvent, on entend des klaxons, ça veut dire, ça indique que le conducteur veut que le piéton se tasse du chemin, qu'il puisse passer. Il y a une musique. La musique, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une musique qui représente un peu le quotidien. C'est une musique qu'on peut entendre dans un café, dans un autobus, dans un ascenseur ou dans un magasin, tout simplement. Donc, ça montre le quotidien de l'individu. Comme au début de la production, vous avez remarqué que les gens ils marchaient dans la rue, ils faisaient leur journée, ils faisaient beau, puis ils ne s'attendaient pas à le revirement de situation. Il y a des rires, il y a des cris, puis il y a l'effet sonore durant, ben, quand ils sont devant l'arrêt d'autobus. Ils sont frappés par la voiture. Quand ils se font percuter par la voiture, leur imitation, ils se font percuter par la voiture, il y a l'effet sonore d'un accident de voiture. Ça met beaucoup d'emphase aussi sur les conséquences qui peuvent advenir de traverser la rue sans regarder. Pour les fonctions, il y a une fonction dominante, c'est comme tout le monde ici, la fonction incitative. Ils ont utilisé la fonction incitative pour persuader ou convaincre les gens que c'est dangereux de traverser la rue sans regarder, de ne pas être sécuritaire en traversant la rue. Donc, ils veulent inciter les gens à prendre des mesures pour diminuer les risques de danger envers leur sécurité. Puis ensuite, on a utilisé la fonction poétique et esthétique. Parce que l'arrêt d'autobus, c'était une façon d'attirer les gens et de captiver leur attention mieux que n'importe quelle autre manière de le faire. C'est très intéressant. Pour les facteurs, la cohérence, on trouvait que c'était une vraiment bonne publicité parce que tous les éléments étaient en lien avec le message. Par exemple, le rayon X, ça devient vraiment prouver que, en fait, même si c'était pas un vrai rayon X, on pouvait voir que quand les gens s'arrêtaient, ils pouvaient voir une imitation de leur rayon X. Mais en fait, on peut voir qu'à l'intérieur de notre corps, on est fait en os, en os,
et en muscles, pas en métal. Donc, si on se compare à une voiture qui est faite en acier, en métal très lourd, on n'est rien. On ne peut pas rien faire, on ne peut pas se sauver. C'est, puis aussi, le fait que c'était virtuel, ça venait choquer les gens parce que même si c'était virtuel, ils regardaient, ils dansaient devant. Puis dès que l'auto arrivait pour les persécuter, ils se pensaient vraiment comme dans l'accident, c'est comme ça les saisissait. C'est ça. Bravo, merci.